Dans cette vidéo, je t'ai expliqué comment j'ai failli me faire empoisonner et comment ça a failli me coûter très très cher. Ça, c'est un sujet sensible. Donc, je t'invite vraiment, s'il te plaît, à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je pense que tu te retrouveras dans cette situation. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie surtout pas, tu connais la chanson, de nous mettre un pouce bleu. Ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et ça remercie toutes les personnes de mon équipe qui travaillent fort depuis le 10 septembre 2017 pour te produire énormément de contenu qui, je suis sûr, t'apporte beaucoup de valeur. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à notre toute nouvelle masterclass où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons pu investir des millions en immobilier partout dans le monde. Dans cette vidéo, je me retrouve, comme tu le sais très bien, à Bali, en Indonésie, après un petit séjour à Jakarta. Donc là, on est dans la villa, donc je pense que tu as dû voir des images par-ci, par-là. Voilà, on est bien, on est posé. Je vais t'expliquer comment j'ai failli me faire empoisonner et comment ça a failli me coûter très cher. Je pense que toi également, tu as eu ce type de problème dans ton parcours. Quand je parle d'empoisonnement, bien évidemment, ce n'est pas un empoisonnement culinaire, si je peux dire, c'est plus un empoisonnement au niveau de l'état d'esprit. Quand je dis que j'ai failli me faire empoisonner, c'est que voilà, j'ai eu beaucoup de croyances limitantes, notamment concernant le succès, l'immobilier, l'entrepreneuriat et même la liberté. Tu vois, donc, parce que je pense que tout comme moi, on a dû te bassiner depuis que tu es gamin que voilà, il faut travailler dur, il faut faire une bonne école, il faut obtenir de bons diplômes. Il faut avoir un CDI, tu achètes ta maison, ta voiture, et voilà, ça s'arrête. Et finalement, on te fait croire que tout ce qui est abondance, que ce soit financier, temporel, santé, c'est fait pour les autres. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas voir des personnes peut-être qui ont beaucoup d'argent, tu vas voir des personnes qui voyagent tout le temps, tu vas voir des personnes qui travaillent comme je suis habillé en ce moment-là, et tu vas te dire que non, mais en fait, ça, c'est pas fait pour moi en fait, ou je ne suis pas capable de, ou il a quelque chose que je n'ai pas, etc. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Regarde sur internet ce que ça veut dire. Donc c'est des croyances que tu te mets dans ta tête qui ne sont pas vraies. Et c'est des croyances qui viennent de sources externes. Ça peut être tes parents, ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, tes partenaires, tes collègues, tes amis. Toutes ces personnes-là autour de toi qui te disent et qui t'imposent des choses qui ne te conviennent pas. Et la fréquence, elle est tellement élevée que qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences à y croire en fait. Tu vas leur dire, ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Le nombre de fois où j'ai vu, par exemple, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo, des couples où monsieur ou madame veut investir et le partenaire lui dit, c'est pas fait pour toi ou c'est fait pour les autres. Ah, tu es trop nul pour arriver. Et qu'est-ce qui se passe? La personne dit, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, je ne peux pas le faire. Ou tu as raison, ouais, laissons tomber, etc. Alors que ça se trouve, si cette personne était passée à l'action, elle aurait eu des résultats très, très, très significatifs. C'est ça que j'appelle le poison. Parce que moi, justement, c'est un poison que j'ai consommé pendant bon nombre d'années. Toutes les années où j'ai travaillé à la Défense, toutes les années où j'ai travaillé au centre-ville de Montréal, c'est des choses que je croyais en fait pas possible. Et c'est pour ça que sur Internet, tu vas beaucoup voir des personnes, on va aller, on se prend des insultes. Tous ceux qui sont sur Internet, on se prend des insultes, tu peux même pas imaginer. Les vendeurs de rêves, on va nous appeler les vendeurs de rêves en disant que oui, vous parlez, vous passez plus de temps à faire des vidéos qu'à faire ceci, cela. Si c'était facile, tu ne serais pas en train de tourner de vidéos. Tu vois? Moi, j'ai juste une chose à dire à ces personnes-là qui, pour moi, sont victimes de ce poison. Parce que littéralement, c'est des biais cognitifs. Parce que pour ces personnes-là, par exemple, vivre de l'immobilier, c'est impossible. Vivre de sa passion, c'est impossible. Voyager dans le monde, à travers le monde, c'est impossible. Et quand je dis que c'est un poison, c'est parce que ces personnes-là, elles aimeraient ça, mais elles le rejettent en jugeant, en critiquant ou en disant que ce n'est pas possible. Mais au fond, elles aimeraient parce que si tu n'y prêtes pas intérêt, pourquoi tu commentes? Tu vois ce que je veux dire? Ou si tu n'y prêtes pas intérêt,
pourquoi tu laisses savoir que c'est pas possible au point de t'énerver? Je parle par, notamment dans les couples, c'est source de disputes. Dans la mesure où tu t'en fous, tu te dis que c'est pas possible, bah, tu passes ton chemin entre guillemets, tu dis que bon, ouais, tu n'y prêtes même pas attention. Quand moi je sais que quelque chose est pertinemment faux, je ne vais pas me fatiguer à argumenter du fait que ce soit faux parce que moi je suis convaincu que c'est faux. Mais si je commence à me dire que non, c'est faux et à justifier que c'est faux, c'est qu'il y a peut-être un petit truc derrière qui me dit que j'aimerais que ce soit vrai. Et généralement, les personnes ne s'en rendent pas compte. C'est ce qu'on appelle se mentir à soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc quelqu'un qui va te juger en disant que non, tu ne peux pas investir en immobilier ou ce n'est pas fait pour toi, ne crois pas cette personne-là. En réalité, cette personne veut, mais c'est juste qu'elle n'est pas capable de. Et bon, tu connais comment, tu connais l'entourage. Hein. Il ne veut pas que tu réussisses, nanana. C'est pour ça qu'on te tire vers le bas. Donc ça, c'est un poison auquel il faut, entre guillemets, un antidote. L'antidote, c'est quoi? C'est tout simplement la connaissance. Va à la recherche d'informations. Je ne suis pas en train de te dire, mais bien sûr, tu peux le faire, de regarder dans le lien juste en dessous pour t'inscrire à ma masterclass. Mais il y a énormément de contenu. Pose juste des questions. Et sois ouvert d'esprit dans le sens où c'est tout à fait possible. Moi, je te le dis, c'est tout à fait possible. Et si bon nombre de personnes disent que c'est possible, si bon nombre de personnes doutent, parce que les personnes qui doutent aimeraient que ce soit possible. Et quelque part, en elles-mêmes, elles se disent que ça se trouve, c'est possible, mais c'est juste qu'elles rejettent ça en disant que c'est pas possible, donc je ne suis pas capable, parce que je ne suis pas capable et je ne veux pas que toi, tu sois capable de faire. Tu vois? C'est le sentiment d'association. Donc, la personne a peur que tu deviennes différent. Donc, ces personnes-là ont le même intérêt, même s'il n'est pas présenté de la même manière. Entre les personnes qui, effectivement, vivent de l'immobilier, les personnes qui veulent vivre de l'immobilier, au fond, mais le rejettent, je les mets dans le même panier. Donc, si autant de personnes éprouvent de l'intérêt, par exemple, par rapport à l'immobilier ou éprouvent de l'intérêt par rapport à l'entrepreneuriat, business en ligne, peu importe, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être ça fonctionne. Mais ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à ces personnes, ni à moi, de te dire que ça fonctionne. C'est à toi de faire tes propres recherches et de réaliser par toi-même que ça fonctionne. Le moins, le plus simple, comme je te dis, l'antidote, c'est quoi? C'est d'aller chercher l'information. Va discuter avec des personnes qui ne sont peut-être même pas sur Internet comme moi. Parce que peut-être tu vas te dire que oui, lui, il prêche, c'est parce qu'il vend des formations, etc. Va juste te renseigner auprès de personnes pour qui ça a fonctionné. Et tu verras ce que ces personnes vont te dire. Ils vont te dire que bien évidemment, c'est possible. Car rien n'est impossible finalement. Rien n'est impossible. Donc, clairement, c'est le message que je voulais te passer dans cette vidéo. Que moi, j'ai été empoisonné. Bien évidemment, j'ai pu trouver l'antidote qui m'a permis aujourd'hui, je te le dis littéralement, de vivre de l'immobilier, de pouvoir voyager, mettre ma famille en sécurité, mettre mes proches en sécurité, etc. Et voilà. Et ce, grâce à de l'information méconnue du grand public, bien évidemment. Parce que justement, si tout le monde était au courant de ça, tout le monde serait rentier. Heureusement, ce n'est pas le cas. Parce que dans tous les cas, tu n'auras jamais tout le monde qui sera rentier. Personne, c'est impossible que tout le monde devienne entrepreneur. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. 20% des personnes le deviennent, 80% échouent. Maintenant, ça dépend de quel côté toi tu veux être. Mais c'est possible. Donc, c'est vraiment possible. Ce n'est pas simple, mais c'est le processus est simple, mais ce n'est pas facile. Parce qu'il va falloir travailler. On n'a rien sans rien. Et justement, comme on dit, si c'était facile, tout le monde le ferait encore heureux. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à la partager à toute personne qui souhaite justement ne pas se faire empoisonner ou toute personne que tu voudrais sauver grâce à cet antidote, dont tu trouveras pas mal de pilules rouges juste en dessous dans la description. E-book, formation offerte, audiobook, masterclass également. Et je te retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'est Florent de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.